nous allons peindre les entourages de portes, de fenêtres. Excusez-moi. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, je vais peindre mes entourages de fenêtres parce que mes cornières en alu et mes petites cornières en acier zingué que je vais faire pour en haut, ça va prendre un petit peu de temps. C'est du sur-mesure. Donc, du coup, je mets toute la peinture blanche sur les champs. Enfin, blanche ou autre. J'ai du blanc, donc je mets du blanc pour protéger les champs si jamais il pleut, pour être sûr que ça rentre pas dans le bois. Même si ça serait rentré dans le bois, c'est pas bien grave, parce que c'est un bois qui est marin. Mais au moins, je préfère mettre une grosse couche de protection. Au moins, je suis sûr de moi, quoi. Donc voilà, c'est parti, je me lance. À tout de suite. Attention, transition. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous tenir un petit peu au courant de ce qu'il en est de mon téléphone. J'avais acheté un P30 Pro Huawei pour avoir des meilleures qualités de vidéo, pour essayer de m'améliorer un petit peu et tout. Et en fait, il s'est avéré que la qualité était bien en dessous de ce qu'ils annonçaient, surtout en vidéo. En photo, peut-être qu'ils sont bons, qu'en vidéo, ils étaient moins bons que mon Galaxy S8 Plus que j'ai depuis 2 ans. Et on a été à Boulanger, on a réussi à se le faire entre guillemets rembourser, hein, voilà, on a fait un échange, on a eu un avoir. Il faut savoir que chez Boulanger, vous avez 15 jours pour amener un appareil. S'il n'a pas été emballé, il vous le rembourse. S'il n'a pas été déballé, il vous le rembourse. Et s'il a été déballé mais qu'il est encore en bon état, ils peuvent vous faire un bon d'avoir. Donc voilà, c'était un téléphone qui était à pas loin de 1000 €. Donc ça m'a vraiment mis dans le doute, pour être honnête avec vous, et j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, est-ce qu'au final c'est un téléphone qu'il me faut pour faire mes vidéos ou vraiment un appareil qui soit dédié à ça? J'ai un caméscope qui fait encore de très belles vidéos, mais la batterie est en train de lâcher. Pourtant je l'ai changé, le chargeur je l'ai changé et ça déconne toujours en fait. Sinon c'est un caméscope qui fait de belles vidéos, il est bien stabilisé. Mais voilà, il commence à se faire vieux et je voulais vraiment passer au cran un petit peu au-dessus. Du coup j'ai réfléchi, j'ai beaucoup discuté avec le vendeur de chez Boulanger, là à l'Atoll à Angers. Et voilà, là on va le chercher, là justement, je vais vous faire voir tout ça. Et bon, c'est un petit peu hors budget quand même, hein, mais voilà, c'est vraiment un outil de travail, il faut vraiment que je prenne ça comme ça. Et voilà, un peu grâce aux dons, au super chat et puis aux petites rémunérations de YouTube, ça me permet aussi de renouveler le matériel et surtout d'acheter du bon matos, quoi. Donc on est parti sur un bridge en fait, voilà, c'est un bridge qui a un zoom de 25. Et qui a un processeur qui est vraiment dédié au super ralenti. Donc ça c'est ce que je recherchais, je voulais quelque chose qui puisse zoomer loin, qui soit stabilisé et qui aussi a l'option ralenti parce que j'aime bien en faire et c'est vraiment pratique. Donc voilà, c'est un Sony, je sais plus quoi, Charlotte pourrait vous le dire. Mais... C'est quoi chouchou l'appareil? Charlotte arrive pour me sauver, moi et ma mémoire légendaire. C'est quoi alors l'appareil? Coucou. L'appareil. L'appareil qu'on va chercher. Un Sony RX10-3. Voilà, donc Sony RX10-3. Apparemment, ça promet d'être bien. Et vraiment, j'aurai un appareil dédié que pour ça. Je vais mettre sur mon trépied, je vais faire toutes mes vidéos avec. Quand des fois, j'aurai besoin de prendre une vidéo sur le pouce, forcément, je vais le faire avec mon téléphone. Mais voilà, il faudra vraiment que cet appareil serve à faire nos vidéos. Je prendrai une batterie supplémentaire par la suite, je pense. Et on devrait être pas mal avec ça. J'espère parce qu'il sur le papier il a l'air d'être bien. Donc il fait de la 4K, il fait même l'hyper ralenti. Mais vraiment en HD quoi. Donc c'est ça qui va être bien. Voilà. Et puis un zoom x25 optique. Donc ça peut être bien. C'est-à-dire que je peux zoomer sur une petite bestiole et puis faire un ralenti. C'est un truc de ouf. On a acheté ça à Boulanger, à l'Atoll, à Angers. On a été super bien conseillés par le rayon, ouais, de la façon que ce soit en téléphonie ou ils étaient tous présents et franchement, on en a eu d'un de chaque.
C'est Maxime là qui nous a renseigné. Ouais, Maxime et Stéphane aussi. Ouais, rayon téléphonie et puis rayon informatique. Téléphonie, informatique et surtout rayon appareil photo dernièrement, ouais, avec Maxime. Et c'est lui qui nous a conseillé cet appareil. Même, j'espère que ça va donner. Même pour le fait de rendre le téléphone et tout, ils n'ont pas été casse-pieds. Ouais, je l'ai expliqué, ça, qu'on avait 15 jours pour rendre un appareil. Après, il y a des choses qui ne sont pas comprises dans cette offre-là, les 15 jours. Hein. Ouais. Les choses personnalisées ou quoi, vous ne pouvez pas les rendre. Normal, enfin, voilà, si c'est esquinté, vous ne pouvez pas les rendre. Mais moi, le téléphone, il était comme neuf. Hein. J'ai fait une journée avec des vidéos, j'ai vu que ça donnait pas, c'était pas du tout terrible. Ça nous correspondait. Donc pas voilà, du tout, on l'a rendu. J'ai dit tout simplement, voilà, il n'est pas à hauteur de ce qu'ils annoncent. J'aimerais bien me le faire échanger parce que je savais que j'allais reprendre un appareil derrière. Et ça m'a justement conforté dans mon choix de me dire, un téléphone, même si il gère bien en vidéo les c'est téléphones fait pour maintenant. Téléphoner. C'est fait pour téléphoner. Mais voilà, quand on commence à pousser un peu plus, faut vraiment prendre un appareil exprès, quoi. Alors j'espère que ça va fonctionner. Là, on se met en route et on vous embarque avec nous et on vous montre tout ça après, quoi. J'espère que ça va aller. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Hey, comment ça va, toi, l'ami canadien? Je la fais bien l'accent, non? Oh, ça va. Bon, alors. Trêve de plaisanterie. Parce que c'est avec nous la route. Trêve de plaisanterie. En fait, on était parti sur le bridge. Je vais essayer de faire rapide. On était parti sur le bridge Sony. Et quand on est arrivé, c'est vrai qu'on a discuté un peu avec le vendeur. Il nous alors, a dit... bridge Sony, c'est son appareil photo. Ouais. Parce que là, ils vont pas on comprendre. Était parti. Mais si, j'ai fait le début de vidéo tout à l'heure. Bien sûr qu'ils comprennent, t'inquiète. Ah, ouais, mais j'étais pas là, moi, il y en a là-dedans. Et donc, du coup. Il lui dit oui, mais avec le bridge, vu que c'est dans la catégorie appareil photo, tu peux filmer que 30 minutes. Et moi, c'est vrai qu'il y a des fois, je fais des longues séquences et je pense pas forcément à la rallumer. Enfin voilà, je sais que ça va commencer à être gênant. Et si je fais plein de séquences de 30 minutes, il risquerait de chauffer. À la base, il n'est pas prévu pour faire des longues vidéos. Donc ça m'a remis dans le doute. On est reparti sur un caméscope. On a trouvé un pur caméscope, mais qu'au final, il pouvait pas trop avoir. C'était en reliquat. C'était un peu ça. C'était un peu compliqué. C'était en reliquat, donc c'est délicat. Donc c'était délicat. Et au final. Je dis bon allez on annule tout ça et je vais partir parce que j'avais une envie aussi, c'était d'acheter un Osmo Pocket DJI, vous savez. Et du coup je dis comme c'est beaucoup moins cher, j'ai dit vu que je suis dans le doute sur énormément de choses et que cet ustensile je le voulais absolument, on est parti sur ça. Donc là on file sur Nantes avec Loïc. On a laissé Charlotte et les enfants rentrer tranquillement, ça sera bien mieux que de faire si c'est pas 3 heures de route en tout. Ils repartent à la maison tranquillement et nous on fait un saut à Nantes chercher le DJI et on revient parce que je suis pressé, j'avais pas envie d'attendre une semaine ou 3 jours pour l'avoir. Donc je sais que là je peux l'avoir dans une heure et demie. Donc voilà, on va chercher le DJI, on fait la route et on vous dit à tout à l'heure, on va le déballer, on verra si ça fonctionne bien. Et au moins on verra si ça m'est bien utile, s'il faut que je rachète ou pas un caméscope. Et le Wix s'est acheté un A50. Voilà. Pour faire de meilleures vidéos ou c'était juste pour te faire plaisir? Non, ça va être pour avoir un meilleur appareil parce que avant j'étais Apple. Ouais. Et puis j'ai pris le Xiaomi Redmi Note 5, puis voilà, il est bien mais. C'était un peu limité. Moi je suis super content Xiaomi, de mon S8 et je vais garder celui-là pour les vidéos et j'avais besoin d'avoir un truc en plus. Quoi. Parce que tu peux pas tout faire avec le même appareil. Ouais, on n'a pas le même niveau, c'est pour ça. Non, mais tu peux pas tout faire avec le même appareil. Non, après un téléphone, normalement c'est fait pour téléphoner. Ouais, mais maintenant ils font des pures vidéos, des pures photos, faut dire. C'est clair, mais. Et voilà, moi je sais que si je fais un timelapse avec mon téléphone, et si j'ai envie de filmer d'un autre angle, je peux pas. Quoique j'ai la GoPro, je peux pas écouter la musique parce que je suis en train de filmer avec. Enfin, c'est énormément de choses. Donc là, je vais essayer avec le petit DJI qui coûte aux alentours de 300 euros. C'est bien mieux que l'appareil que je voulais m'acheter à 1300 euros. Et si vraiment je vois que j'ai un manque. Je pense que là je vais bien regarder. Si d'ailleurs vous avez des conseils à me donner, là surtout n'hésitez pas parce que là pour le coup je suis un petit peu largué. Je sais que je veux un truc qui tient bien en main comme un caméscope, même si c'est plus à la mode. Moi je sais que j'aime bien les caméscopes, donc si vous avez vraiment un appareil à me conseiller, n'hésitez pas. Allez, on va chercher le DJI, on se retrouve tout de suite après. A tout à l'heure, bye bye. Voilà, nous arrivons bientôt à Boulanger à Nantes, celui qui est à l'Atlantis, c'est ça? Paradis. Paradise. Si ça se trouve, ça va être un club. Bonjour, bienvenue au Paradise. Vous avez pas oublié mon capuchon? Ah mince, j'ai oublié mon capuchon. Vous en avez à vendre? Oui, nous avons des capuchons à vendre. Vous avez toutes les formes, toutes les odeurs. Merci de m'avoir emmené, Loïc. C'est sympa. T'as pas remercié. Si. Normalement, il faut dire merci aux gens. On remercie quand on a plus besoin.
Ah non, merci de m'avoir emmené. Je te dirai merci après quand ça sera fini aussi. C'est cool. Non, cool. Ben non, c'est une amie. T'es en vacances et toi tu t'emmènes, tu te fais chier. Justement, je suis en vacances, j'en ai un à foutre. Ouais, mais bon, ça me gêne un peu. Je t'ai demandé, tu m'as dit ouais, mais je veux pas que ça te dérange quoi. Ça me dérange pas, sinon tu serais pas là. Bah, il y en a, ça dérange et puis après ils m'ont dit ouais, t'as vu, il fait chier et tout. Voilà quoi. Ouais, merci. Il y en a, ils vont dire on voit encore la tronche à Loïc. Oui, bah Loïc il est avec nous cette semaine. Je vous ai dit, vous aussi, adoptez à Loïc. Ça coûte pas cher. Et ça vous emmène dans les magasins en plus. C'est une traîne. Voilà. Bon, bah on va chercher ça, on arrive dans peu de temps et on se rejoint, on se retrouve tout de suite. 3 minutes. Réaction à vif, à chaud. Voilà, ça y est. Nous l'avons, ce petit Osmo Pocket. Tu l'as. Voilà, enfin nous l'avons, je veux dire, on est venu le chercher quoi. Voilà. Bah, je le déballe et je vous montre ça. Alors voilà, je vais déballer avec vous. Regardez. Oh la vache, c'est tout petit, hein. Elle fait tout ça pour ça. Oh putain. Regarde. Ouais. Oh, c'est dingue, c'est petit mais c'est lourd. C'est impressionnant. Voilà. J'allume tout ça, je branche, je regarde et puis on se retrouve après. En tout cas, c'est étonnant. Et ça fait vraiment pas Kaamelott du tout. Voilà, je l'allumais. C'est vraiment... c'est bien fait. Hein. Regardez, je le bouge, c'est stabilisé. Il y a le petit écran qui est là. Bon, là, j'ai pas de carte mémoire, donc on va pas pouvoir se rendre compte. Je vais l'essayer tout à l'heure plus en profondeur, plus en détail. Ouais, c'est dingue. Hein. Regardez ça. C'est bien fait. C'est bien fait, hein. On va où là? Là, je vais partir à La Roche-sur-Yon, Bordeaux, La Rochelle. Oh là 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 là, arrête tes conneries. Non mais à première vue on perd pas trop de temps, dans une heure on peut être sur Angers, mais je sais pas ce que tu dis. Il faut sortir, faut faire demi-tour. On a passé trois quarts d'heure dans les bouchons, on a pété un plomb mais en plus je crois. Je sais pas. Je crois que ça a planté une fougère, mais dans 85. Oh là là. Oh. Vaut mieux prendre ça en rigolant. C'est ouais. Pas grave, c'est ton gasoil et c'est ma carte bleue. Quoi. Ouais, je peux payer, c'est, non, ma, non, non, c'est ma connerie. Oh là 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 là, qu'est-ce que t'as fait? Bah ouais, il y a un fougère dans 85, c'est vrai. Faire gaffe avec le GPS d'ailleurs. Faut bien mettre fougeré. 49-150. Et bien voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive à tout le monde, hein, même au meilleur, vous voyez. On sera plus de temps ensemble, on a petit affaire. J'ai l'impression qu'il a fait exprès. Allez, en route. Tu sais qu'on aurait pu faire juste une vidéo avec notre mésaventure. Avec tes conneries là. Hein? Ouais, mais tu t'adoptes un Loïc, tu payes même pas une bière. Si vous aussi vous voulez adopter un Loïc, il faut absolument de la bière. Et il faut lui installer Maps dans son téléphone parce qu'il sert de Waze. Et il n'y a que Waze qui peut confondre deux villes comme ça. Moi je suis déprimé. Oh là là. On va y arriver? T'as fait exprès, tu voulais me garder avec toi. Depuis longtemps. Ouais, il a sa langue qui se retourne. C'est bizarre, hein. Donc je vous ferai pas voir tout de suite la présentation de Osmo Pocket parce que comme ça fait 3 heures qu'on roule, j'ai pas pu récupérer la micro SD qui est dans le 806. J'espère pouvoir faire ça un jour. Je vous montrerai ça prochainement. Si vous voyez pas cette vidéo, ben, c'est cool à penser. Nous sommes pas arrivés. Par contre, je pourrais vous faire voir une vidéo où je vous montrerai de Mont-Saint-Michel. Parce que là, à l'allure où on s'en va, je pense qu'on est parti vers Mont-Saint-Michel. Donc, voilà. A bientôt pour la visite du Mont-Saint-Michel. Loïc, va voir la belle bière que tonton t'a achetée. On s'est arrêté au magasin, je lui ai acheté une petite bière, il était desséché. Le en même temps, c'est de sa faute qu'il nous emmenait en Vendée. Il nous emmenait en Vendée. Ah, ça sent pas bon. Il nous emmenait en Vendée, quoi. C'est dingue. Bon, je te redis merci. Hein. C'est cool. Merci. En fait, ouais, je sais pas vraiment. Je sais vraiment pas si je dois te remercier.
On est parti à 2h, il est 20h. J'ai encore pas avancé sur le bus, là, qui vont nous dire, non, tu fous rien en ce moment. Ouais, on a fait une semaine tranquille. Bah là, tu fais une vidéo sur un périple. Ouais, c'est vrai. On a fait une semaine tranquille et c'est comme ça, on fait. J'ai envie de dire, je fais les semaines que je veux, en fait. Donc, voilà. Ouais, bah, peut-être falloir que tu t'actives un peu, là. Ta-ta-ta. Allez, on vous fait des bisous et on fera un essai. Je vous ferai un essai avec sur l'Osmo Pocket parce que là, il est trop tard. Il faut que je le prenne en main. Voilà, tout ce que je retiens, moi, de cette journée, c'est qu'au final, je suis quand même content parce qu'on est arrivé sur un appareil qu'ils avaient reçu et Boulanger ont su dire, au final, c'est peut-être pas l'appareil qu'il vous faut. On a bien regardé ce que vous faisiez en vidéo. On a regardé aussi les caractéristiques de l'appareil que vous alliez acheter et c'est peut-être pas celui qu'il vous faut. Et du coup, on l'a pas acheté. Et ça, c'est quand même bien, je trouve. Bah pour une enseigne comme Boulanger, oui, c'est clair. C'est bien, c'est parce qu'ils s'en foutent normalement. Un magasin, ils vendent, et voilà. En plus, ils l'ont reçu exprès pour nous. Et au final, quand on a bien regardé, on dit, ah, c'est peut-être pas ce qu'il nous faut. Donc voilà, ils n'avaient pas le caméscope qui peut-être nous aurait convenu, mais c'est pas grave. On a acheté l'Osmo Pocket parce que ça faisait longtemps que je voulais l'avoir. Et depuis Noël, quasiment, hein, depuis que Laetitia m'en a parlé, de la Fun Family. Et là, du coup, je suis content parce que je vais l'avoir et je vais bien prendre le temps de regarder ce qu'il me faut en caméscope. Et voilà. Donc, si vous avez surtout des conseils en caméscope, n'hésitez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et sur ce, on vous laisse. Passez une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est, quand vous regardez tout ça. Bonne nuit, voilà. Amusez-vous bien. Profitez de la vie. Soyez heureux. Bisous. À bientôt. Abonnez-vous. Des petits pouces. Pouce en bas, pouce en l'air. Bonjour. Pouce quand même. Voilà. Allez, bisous, bye bye. À bientôt.